Hello tout le monde! Hello hello! Bienvenue pour ce nouveau live et en tout cas cette nouvelle vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas, le petit abonnement et le petit like si ce n'est pas déjà fait, ça soutient énormément. Merci à toutes les personnes qui le feront. Les gars, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour... Je m'y attendais pas, mais un petit trailer de Poppy Playtime chapitre 4 qui vient de pop. De nulle part. J'étais là en mode, je me balade sur YouTube, et là je vois en tendance Poppy Playtime. Et je me dis, attends, c'est pas possible. Genre, le chapitre 3, il est sorti à peine il y a quelques mois en arrière là. Comment ils ont fait pour aller aussi vite? C'est une dinguerie. Est-ce que ils ont recruté plus de personnes pour travailler sur le jeu? J'ai l'impression, parce que là, putain, ça a été super vite. C'est extrêmement rapide. Donc... exceptionnel les gars, exceptionnel. En plus, pour ceux qui du coup ne l'ont pas encore vu, on a fait Poppy Playtime chapitre 3 il y a à peine de cela, quelques semaines en arrière. C'était exceptionnel, j'ai adoré sa mère. Et donc là, ça veut dire que le 4, mais pour quand le 4? On va voir ça tout de suite. Donc les gars, c'est parti, on ne perd pas plus de temps, on va react à ce petit trailer. Ouais. Ça, c'est le chien qui s'est fait déchiqueter, ça, en version miniature. Il bouffe ses congénères. Oh là. What the fuck? C'est un cannibale, c'est devenu un cannibale. Poppy Playtime 4. Attends, comment ça, janvier? Genre janvier, là, janvier, là. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe, là? Les gars, qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, non, mais là, j'ai pris une grosse geufflie dans la figure. On a eu le chapitre 3 qui est sorti vraiment il y a quelques mois en arrière. Le chapitre 4 sort au mois de janvier, les gars. Au mois de janvier. Est-ce que c'est bon pour vous? Incroyable. Les gars, comptez sur moi. On se fait Poppy Playtime chapitre 4 à sa sortie. Si j'ai les moyens. On va voir. J'espère. N'hésitez pas les dons. N'hésitez pas, les gars. Les dons, si jamais. Point d'exclamation, dons dans le chat. Et comme ça, on se procure le petit chapitre. Non, mais par contre, je me demande, c'est quoi la créature? Est-ce que du coup, c'est la fin? Est-ce que ça va être le prototype? Combien de temps il va durer? Sachant que j'ai l'impression qu'il n'a pas été produit depuis plus d'un an, tu vois. À moins qu'ils ont fait le 3 et le 4 dans la foulée. C'est pour ça qu'ils ont été aussi rapides. Ou soit ils ont plus d'effectifs dans leurs équipes. Et donc du coup, ça a charbonné à fond. Parce qu'après, tu me diras... Le moteur graphique, en soi, il est fait. Là, ils n'ont plus qu'à rajouter leurs petites idées, créer un script, créer des nouveaux environnements. Et en soi, ça va super rapidement, quoi. Mais incroyable, ça va être lui, du coup, l'antagoniste. Le bouffeur de peluche. Ah non, il y a une autre créature qui lui saute dessus. C'est quoi, ce truc? C'est une chèvre. C'est une chèvre. Ok. Ok, ok. Bah les gars, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Encore une fois, je me répète, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et bah du coup, vous me direz, est-ce que ça vous chauffe? Est-ce que vous ferez le petit Poppy Playtime à sa sortie? Et si jamais vous avez envie de voir ma réaction quand on fera ce jeu, bah n'hésitez pas à repasser également sur ma chaîne Twitch, Lorios-du-bas. On se fera ça volontiers en janvier les gars. On va flipper sa mère, ça va être trop bien. Mais du coup, fuck, parce que le prototype, on nous tease le prototype en disant ça va être l'antagoniste final, et on se retrouve avec une chèvre. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Eh ben, ok, bon, je juge pas, on n'a pas encore vu le truc, mais est-ce que un mouton va faire vraiment flipper?
Un mouton? Really? On verra. On verra, les gars.